إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى في كل الأحيان وعلى كل حال وفي كل مكان فإن الله مطلع على الخفي والظاهر والله سبحانه وتعالى مراقب أعمال العباد. Je vous conseille ainsi que ma propre personne de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah azza wa jalla voit tout et entend tout, et rien ne lui est caché, la fil ardi wa la fil sama, ni dans la sur terre, ni dans les cieux. Amma ba'd. قبل أن نبدأ في موضوع الخطبة أردت أن أنبه الحاضرين والحاضرات عن مختصر أدب حضور الجمعة. Je voulais simplement faire un petit rappel autour des comportements à avoir lorsqu'on assiste à la prière de Jumu'ah et au sermon du vendredi de l'imam. فالذي يحضر الجمعة عليه وجوبا أن يستمع إلى الخطبة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. Allah, dans son livre, il ordonne les gens, les croyants, lorsqu'ils entendent l'appel du jour de Jumu'ah, c'est-à-dire lorsque vient l'heure de le jour de Jumu'ah, de se rendre à la mosquée afin fas'au ila dhikrillah et famdu ila dhikrillah, allez vers le rappel d'Allah, wadharul bay' et délaissez les transactions. Qala al-ulama, les savants ont dit dharul bay', délaissez les transactions, c'est-à-dire dharu kullama, ay dharu watruku kullama يلهيكم عن الحضور إلى الجمعة واستماع الخطبة. Donc les savants dans l'explication du verset ont dit, c'est-à-dire de délaisser pas simplement les transactions, mais de délaisser toutes choses, les transactions et les commerces, parce que c'est la chose qui est la plus répandue, surtout en ce moment-là, dans les pays où il y a un marché, où il y a un souk, il y a du commerce. Délaisser toutes choses qui va vous empêcher d'assister à la prière de Jumu'a et vous empêcher d'écouter le sermon. وَذَرُوا الْبَيْعَ نَعَمْ فَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ. Allez vers le rappel d'Allah, l'invocation d'Allah Azza wa Jal, l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le rappel d'Allah, c'est dans le sermon et dans la prière. فَمِنْ هُنَا, de cela, Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire le fait d'aller à la prière de Jumu'ah, d'assister au sermon pour un homme, bien sûr, pubère et qui n'est pas malade, etc., et les conditions. Et surtout, donc le fait d'écouter le sermon de l'imam est une obligation. Parce que le fait d'assister sans écouter ne reviendrait à rien. Falhadir, celui qui assiste et qui entend l'imam et qui assiste à la prière de Jumu'ah, qu'il soit dehors, ou alors qu'il soit en haut, ou alors qu'il soit devant l'imam, dans la salle principale, il se doit d'écouter l'imam. فَكُلُّ مَا يُشْغِلُهُ عَنِ الْإِسْتِمَاعِ حَرَامٍ. Tout ce qui va l'empêcher d'écouter l'imam, ou qui va le divertir, ou qui va le détourner du fait de pouvoir bien écouter l'imam, va être interdit haram. Je ne dis pas makruh, je ne dis pas déconseillé. وَهَذَا قَوْلُ الْعُلَمَاءِ. Et ça, c'est la parole des savants dans les différentes écoles. أَنَّهُ حَرَامٌ الْكَلَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ. Le fait de parler alors que l'imam fait le sermon, et pas simplement le fait de parler. Parler dans n'importe quel cas. Illa inda darura, sauf dans la nécessité. Mais là, on parle de choses extrêmes et d'exceptions. Walakin hatta al
اللعب مثلا اللعب كما في العهد القديم اللعب بالحصى أو الآن اللعب بالهاتف أو شرب الماء أو غير ذلك من الأمور التي تلهي عن الاستماع. Tout ce qui va empêcher la personne d'écouter et qui va enlever sa concentration va être haram. Parmi cela, à l'époque du prophète Hassan, c'est les gens dans la mosquée, ce n'était pas des moquettes, c'était de la terre, il y avait des cailloux, le fait de jouer avec des cailloux, d'accord ? Même chose, quelqu'un qui va jouer maintenant avec son téléphone portable, ou quelqu'un qui va boire de l'eau, il peut boire de l'eau après la prière ou avant la prière, mais pas pendant la prière ou pas pendant le serment de l'imam. Même chose le fait de jouer avec son camarade à côté, même chose le fait de dire, comme le prophète sallam a dit dans le hadith, « Ida qulta li sahibika wal imamu yakhtub, insit faqad laghawt. » Ça veut dire, même si tu entends quelqu'un ou tu vois quelqu'un en train de parler, et tu veux lui faire ce qu'on appelle « al-nahi anil munkar », le fait de lui interdire le mal et le blâmable qui est fait de parler pendant le sermon de l'imam, qui est une obligation à la base, même ça, ce n'est pas autorisé. Le prophète, il a dit, celui qui dit à son compagnon qui est en train de parler, tais-toi, qui lui dit tais-toi, faqad la raout, ça veut dire que tu as fait une futilité et une frivolité dans la khutbah de l'imam, dans ta prière de l'jumu'a. Et comme le prophète Assam, il a dit fil hadith, man qal, man massa al hasa faqad laga, wa man laga fala jumu'ata lah. Hadith connu du prophète sallam, il dit celui qui aura touché les cailloux, c'est-à-dire pour jouer, faqad lara, il aura fait des frivolités dans sa jumu'a, wa man lara, et celui qui aura fait cela, fala jumu'ata lah, il n'aura aucune récompense dans sa jumu'a. Fa barakallahu fikum, même pour ceux qui ne sont pas devant moi ou qui ne sont pas dans la salle principale, vous devez d'écouter le sermon. Ce n'est pas comme un dal, ce n'est pas comme un cours ou une conférence, non. Khutbatul imam, la khutba de l'imam de l'Jumu'ah, le sermon du vendredi, yaqoumu maqam al-raka'atayn, prend la place des deux unités de prière. C'est pour ça que la prière de l'Jumu'ah, elle est composée de deux unités. À la base, c'était une prière de dhuhr, qui est composée de quatre. Donc c'est comme si que tu étais en prière. Inna mastathna al-ulama faqat at-ta'min sirran wa ad-du'a sirran. Simplement, certains savants ont excepté de cela l'autorisation de dire amin de manière silencieuse lorsque l'imam fait une dua, ou alors le fait de faire une dua de manière silencieuse, na'am, comme le fait de dire alayhi salatu wassalam lorsque le nom du prophète sallam est cité, na'am, mais sirran, de manière silencieuse faqat. Ça, c'est la seule différence qu'il y a avec une prière normale. Ou une prière normale, tu ne vas pas faire des dua dans n'importe quel moment. نعم فقط اما باقي هذا فهو مثل الصلاه نعم si la personne a parlé نعم elle ne devra pas refaire les ablutions, sa prière sera valide. Mais concernant la récompense de الجمعه قال النبي عليه الصلاه والسلام فلا جمعه له. ادخل الان في الموضوع وهو الموضوع الذي بدانا فيه منذ خطب وهو ستر الله تبارك وتعالى. On revient dans le sujet de lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala cache les péchés de son serviteur. ذكرنا ستر الله في الدنيا للعبد ثم ذكرنا ستر الله للعبد في الآخرة. Nous avons cité dans les deux khutbas précédentes, premièrement le fait qu'Allah azza wa jalla cache les péchés et les défauts de son serviteur des autres personnes dans ce bas monde. Ensuite, nous avons parlé du fait qu'Allah azza wa jalla cache les péchés de son serviteur dans l'au-delà. الآن نشرع في الكلام حول ما ينبغي على العبد المؤمن أن يفعل تجاه هذا الستر وما هي الآداب التي ينبغي عليه أن يحصلها وأن يعملها تجاه ستر الله تبارك وتعالى ما عليه أن يفعل وما عليه أن يجتنب. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant et qu'est-ce qu'il ne doit pas faire? Quel comportement doit-il adopter devant cet énorme bienfait qui est le fait qu'Allah cache tes péchés. أولا وقبل كل شيء وسنقسم هذا الموضوع إلى قسمين. القسم الأول تجاه نفسه وما يتعلق بنفسه. Le serviteur, le concernant, qu'est-ce qu'il doit faire? Et deuxièmement, les comportements et les choses à adopter concernant les autres. C'est-à-dire lorsqu'Allah عز وجل a caché le péché de quelqu'un, qu'est-ce que tu dois faire? فأولا, la première partie, فيما يتعلق بنفسك. Si Allah عز وجل t'a caché tes péchés, ماذا عليك أن تفعل؟ أولا وقبل كل شيء أن تحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا وأن تشكره نعم
La première des choses, c'est de remercier Allah subhanahu wa ta'ala et de le louer, et de le louer par rapport au fait qu'Allah azawajal t'a caché tes péchés. فَهِيَ نِعْمَةٌ وَكُلُّ نِعْمَةٍ تُشْكَرُ. C'est un bienfait. وَيَلَهَا مِنْ نِعْمَةٍ. Et un des plus grands bienfaits. Et tout bienfait doit être remercié. وَالْحَمْدُ أَوِ الشُّكْرُ يَكُونُ بِالْقَلْبِ وَيَكُونُ بِاللِّسَانِ. ليس الحمد ولكن الشكر. الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. Le remerciement d'un bienfait ou le remerciement d'Allah se fait premièrement par le cœur. Le fait de reconnaître ce bienfait de son cœur, c'est le plus important. Deuxièmement, bil-lisan. Deuxièmement, en faisant ce qu'on appelle al-hamd, qui est le fait de remercier Allah Azza wa Jal et de proclamer sa louange par rapport à ce bienfait. Et troisièmement, bil-jawarih, ay bil-istimrari fi ta'ati wa bil-tawbati ila Allah Azza wa Jal. Et troisièmement, le fait de remercier, de proclamer la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala par les membres, comment? C'est-à-dire en restant dans l'obéissance d'Allah azawajal ou en revenant dans l'obéissance d'Allah et en faisant le repentir si on en est sorti, et c'est le cas lorsqu'on a fait un péché, même si Allah nous a caché ce péché. Thaniyan, deuxièmement, وَقَدْ نَبَّهْتُ عَلَيْهِ فِي الْخُطْبَةِ الْأُولَى. J'en avais parlé dans la première khutbah concernant al-sitr, وَهُوَ أَلَّا يَفْضَحَ الْإِنسَانُ نَفْسَهُ وَأَلَّا يَهْتِكَ سِتْرَ اللَّهِ. Allez, si quelqu'un, si Allah Azzawajal t'a caché ton péché, n'en parle pas aux autres. N'en parle pas aux autres, ne le divulgue pas et cache-le le plus possible. Fahiya ni'ma, un bienfait qu'Allah Azzawajal t'a donné, qu'il a caché tes péchés. Pourquoi veux-tu alors déchirer ce voile qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur tes péchés? Fahada min al-izdira bi ni'matillah. Ça, sans aucun doute, c'est une manière de renier le bienfait d'Allah Azza wa Jalla. Comme si que tu disais, je n'ai pas besoin de ce bienfait. وَقَدْ أَسْلَفْنَا الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ كُلُّ أُمَّةٍ مُعَافَاتٍ كُلُّ أُمَّةٍ مُعَافَاتٍ إِلَّا الْمُجَاهِرُونَ. Le hadith dont on a parlé, que toute la communauté, le prophète a dit, toute ma communauté est pardonnée, sauf al-mujahirun, c'est ceux qui dévoilent leurs péchés. Il a fait des péchés pendant la nuit, il se réveille le matin, il commence à en parler aux gens. Wala iyadu billah. Fahada fihi mafasid. Le fait de divulguer ses péchés, il y a beaucoup de choses néfastes. Pas simplement pour la personne, mais pour les autres. Parmi ces choses, outre le fait de hadku satrillah azza wa jal, de déchirer le voile qu'Allah t'a mis, c'est le fait de tashji'a, c'est le fait d'encourager au péché les autres. Quelqu'un peut te prendre pour un pieux, mais lorsque tu vas lui parler de ton péché, il va se dire, ah, même celui-là, il fait des péchés, il donne-moi alors, moi aussi je vais me permettre d'en faire. Allah Azzawajal n'aime pas ce genre de choses, et la religion islamique veut justement que les péchés et que le mal, qu'elle soit réduite et diminuée dans la société. Toi, lorsque tu vas en parler et en renchérir et dire j'ai fait ci et j'ai fait ça et j'ai fait ci, c'est comme si que tu vas encourager à la chose et comme si que ça devient normal. Thalithan, na'am, lorsque tu vas dire cela, c'est comme si que tu étais fier de ce que tu avais fait. Ka'annaka taftakhiru bi hadha adh-dhanb. Wa hadha qad yakunu a'zam min adh-dhanb 'inda Allah. Qad yakunu a'zam min adh-dhanb nafsihi 'inda Allah. Et ça, c'est sûrement et peut-être même plus pire que le péché même auprès d'Allah Azza wa Jalla. Qala al-'ulama قد يفعل العبد المعصية أو الذنب وقد تكون هذه المعصية أو هذا الذنب كبيرا عند الله ولكن بما أن في قلب هذا العبد من الحياء من الله والاستحياء والخوف والبكاء والخجل من فعل هذه المعصية يسير الله هذه المعصية التي في أصلها كبيرة صغيرة وبالعكس قال العلماء رب معصية صغيرة يسيرها الله عز وجل كبيرة بما في قلب العبد من الاستخفاف بحرمة الله والاستخفاف والافتخار بالذنب. Un péché, comme disent les savants, un péché peut à la base être un grand péché, mais comme le serviteur, lorsqu'il a fait ce péché et après avoir le fait le péché, il a une honte dans son cœur, une honte de l'avoir fait, et il a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala du châtiment de ce péché, Allah Azza wa Jalla peut transformer ce grand péché en un petit. Et deuxièmement, l'autre côté, l'inverse, c'est quelqu'un qui a pu faire un petit péché, mais parce que dans son cœur, lorsqu'il a fait ce péché, ou après, il a une négligence envers ce péché. Ce péché-là, pour lui, c'est comme si c'était rien.
Comme si c'était une mouche sur son nez, il faisait comme ça, il part. C'est-à-dire, ce péché pour lui, il n'a pas de poids. Et ça, c'est le signe de l'hypocrisie. Si le péché pour toi que tu as fait n'est pas quelque chose de très important, tu le négliges, c'est un signe de l'hypocrisie qu'il y a dans ton cœur. Par contre, المؤمن هو الذي يرى ذنبه كأنه جبل فوق رأسه يخاف أن يقع عليه. Le croyant, par contre, c'est pas celui qui ne fait pas de péché. Non, le croyant, il peut tomber dans des péchés, il peut même tomber dans des grands péchés, comme Allah il a dit dans le Coran. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم الفاحشة. Fahisha, c'est pas un petit péché, c'est des grands péchés ou des péchés dont on a honte. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a dit: أولئك الذين وذكرهم في أهل الجنة وفي المحسنين. Il les a cités parmi les gens, na'am, qui font partie des bienfaisants et des gens du paradis. Donc le croyant, il peut tomber dans des petits péchés, même dans des grands péchés. Mais le croyant, lorsqu'il fait un péché, petit soit-il, il le voit comme une montagne au-dessus de sa tête et il a peur que ça tombe sur lui à chaque moment. Il a toujours peur de son péché, حتى يلقى الله, jusqu'à qu'il rencontrera Allah عز وجل. نعم تاب وأناب إلى الله. Oui, il s'est repenti vers Allah, il a demandé pardon. Son repentir est peut-être sincère, mais même comme ça, il aura peur de son péché jusqu'à qu'il rencontre Allah سبحانه وتعالى. وهكذا كان حال سلف الصالح والأنبياء قبلهم. Les prophètes avant étaient comme cela. On voit les prophètes le jour de la résurrection, dans le hadith de Shafa'at al-Kubra, le hadith de la grande intercession, ils viendront, ils auront peur de leurs fautes qui ne sont même pas des péchés en réalité. Ibrahim qui citera ces trois mensonges qui en réalité ne sont pas des réels mensonges. Moussa alayhi salam qui citera Moïse, qui citera son meurtre alors que c'était un meurtre involontaire et qui n'a pas voulu le faire. Ce n'est pas des réels péchés, mais ils auront peur le jour de la résurrection de cela. Fa ma'asiyatullahi kabiratun ala kulli hal. La désobéissance à Allah, لأن الله كبير, parce qu'Allah est grand, est grande. Est grande. Que ton péché soit catégorisé dans les grands péchés ou les petits péchés. وهذا مذهب بعض السلف. Et ça, c'est l'avis de certains pieux prédécesseurs qui disaient qu'il n'y a pas de petits et de grands péchés. Et que tout péché est grand. فانظر إلى عظمة من عصيت ولا تنظر إلى صغر الذنب. Ne regarde pas la petitesse du péché, mais regarde la grandeur de celui à qui tu as désobéi. فَإِذَنْ لَا يَفْضَحُ الْإِنسَانُ نَفْسَهُ. Que la personne ne se dévoile pas. Et comme on avait cité auparavant, on a cité le hadith où le prophète alayhi salatu wasalam, هذا حديث عظيم. C'est un hadith qui est très important. Et on a cité que la sharia appelait à cela le hadith Nabi sallam يقول مَنْ ابْتُلِيَ أَحَدُكُمْ بِهَذِهِ الْقَاذُورَاتِ فَلْيَسْتُرْ نَفْسَهُ بِسِتْرِ اللَّهِ. Il a dit, celui qui est éprouvé par une de ces saletés, ça veut dire ces péchés-là qui sont faits, hein, qu'il se cache par le cache d'Allah Azza wa Jalla. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ينال الخزي في الدنيا والآخرة. وعلى الأقل يندم ندامة شديدة. Celui qui désobéit au prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم aura la défaite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Au moins pire, il regrettera son geste s'il se repent vers Allah subhanahu wa ta'ala. وفعلا كل من أخبر بذنبه مخلوقا من المخلوقات سيندب يوما من الأيام. Toute personne qui aura parlé de son péché à une autre créature, même si c'est quelqu'un de proche, même si c'est ton père, même si c'est ta mère, même si c'est ton épouse, même si c'est tes enfants, même si c'est ton ami intime, il regrettera un jour de lui avoir dit. Peut-être dans des cas très exceptionnels, il ne regrettera pas, mais de manière générale, il regrettera. لماذا؟ لأن المخلوق لا ينسى. Parce que la créature n'oublie pas. ولا يعفو أو قليلا من يعفو. أما الله تبارك وتعالى فهو يعفو ويصفح. Allah عز وجل, lui, t'a créé. C'est le créateur, il pardonne et ne te rappellera plus ton péché, si ton repentir est sincère. فالفرق واسع جدا. والله سبحانه وتعالى هو الخالق. فلا تضره معصيتك. Ton péché ne fait pas de mal ni de tort à Allah عز وجل. Par contre, une créature, ça peut lui faire du tort. Ça peut lui faire du tort si c'est un péché qui a un rapport avec lui ou il y a une trahison. Mais ça lui fera du tort même de te voir toi après que tu lui aies parlé de ton péché d'une manière différente.
Et toi, tu seras touché par ce tort-là. Cette créature ne te regardera plus jamais de la même façon. لماذا تهتك ستر الله نعم قد يسول لك الشيطان oui شيطان peut venir te voir en te disant c'est très difficile pour toi de garder ce secret صعبون parle-en ça te fera du bien لا إنك ستندم فيما بعد نعم يستثنى من هذا on peut accepter de cela une seule chose وهو الذي يستفتي أو يستنصح عالما أو رجلا من أهل العلم لينصحه في دينه on peut accepter de cela Le seul exemple où la personne peut parler de ses péchés, c'est celui qui va en parler à un savant ou à quelqu'un de science afin d'avoir un conseil, afin d'obtenir un conseil concernant son état religieux, sa situation religieuse. Na'am. Et encore, même comme cela, c'est préférable, l'afdal, an al-insan, la yatakallam an nafsihi, walakin yaqul, mada taqulu fi rajulin fa'ala kada wa kada. Et même avec cela, ce qui est préférable, c'est de ne pas dire directement au imam, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est de dire qu'est-ce que tu dis de quelqu'un qui a fait ci et qui a fait ça. L'afdal hatta tubqi sitra Allah alayk. Fa sitra Allah ni'matun kabira, fala takun awwala man yahtiku sitra Allah alayk. Wa awwala man yufsid hadhihi ni'ma allati ataka Allah iyyah. Ne sois pas le premier, alors que c'est toi qui est le destinataire de ce bienfait, ne soit pas le premier à le détruire. Nas'alullah al-Ali al-Azim an yaghfira lana dhunubana wa an ya'fu 'anna innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa taba'a hudah wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. En deuxièmement, et c'est sûrement le point le plus important sur lequel je voulais parler. وَهُوَ أَنَّ الْعَبْدِ إِنْ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ ذُنُوبًا أَوْ ذَنْبًا وَخَاسَةً فِي مَكَانَ ذَنْبًا يَصْعُبُ تَرْكُهُ فَكَانَ الْإِنسَانُ قَدْ ابْتُلِيَ وَأُصِيبَ بِذَنْبٍ مَخْلُوطٍ بِعَادَةٍ فاعتاد هذا الذنب ونزيد على هذا إن كان هذا الذنب فيما يتعلق بالشهوات أي فيما فيه شهوة ولا تظنوا أن الذنب الذي فيه شهوة فقط شهوة الفرج لا أو شهوة البصر فاللسان له شهوة والبطن له شهوة والأذن له شهوة فكل عضو من أعضاء الجسد فيه شهوة فإذن Ce que je suis en train de dire, c'est que la chose la plus importante et très très importante concernant des péchés qu'Allah t'a cachés, surtout si c'est des péchés qui sont associés à une habitude, c'est-à-dire des péchés, on parle surtout de ce genre de péchés, c'est-à-dire des péchés que la personne n'arrive pas à arrêter. Pourquoi ? Parce qu'il a l'habitude de le faire. Et troisièmement, si on rajoute un autre paramètre, c'est encore plus difficile, c'est si ce péché a un rapport avec un désir. Et ce désir-là, ne pensez pas que c'est simplement un désir charnel. Non, ça peut un désir charnel ou sexuel. Non, ça peut être un désir concernant, ça peut être un péché qui a un rapport avec la langue, ou qui a un rapport avec l'oreille ou avec le ventre. C'est-à-dire les différents membres du corps qui peuvent accomplir des péchés. Hadi al-dhunub, ce genre de péché qu'il est difficile d'arrêter, Si Allah subhanahu wa ta'ala te cache une fois, deux fois, trois fois, et que tu continues malheureusement à faire ce péché, yastad'ifuka ash-shaytan, shaytan trouve ta faiblesse, et tu te retrouves faible devant sa ruse, et il te refait tomber. Anta 'alayka an tatuba ila Allah. Toi à toi de te repentir vers Allah azza wa jalla à chaque fois que tu tombes. Wa kullama 'azamta 'ala 'adam al-'aud, et à chaque fois que tu mets la forte résolution de ne pas retomber dans le péché. Wa nadimta et que tu as un sincère regret, ghafara Allah laka dhanbak bi idhnillah. Allah te pardonnera ton péché inshallah azza wa jalla. Walakin ma'a hadha in satara Allah 'alayka dhunubak, la tadhunnan an Allah sayastur 'alayka dhunubak daiman. Ne pense pas que si Allah azza wa jalla te cache tes péchés une fois, deux fois, trois fois, un mois, deux mois, trois mois, une année, deux années, trois années, qu'il te cachera tout le temps. On a dit que c'était un bienfait. Et le bienfait doit être remercié.
إن لم تشكر النعمة فيوشك أن تزول. Le bienfait, s'il n'est pas remercié, il se peut qu'il parte. Et donc, ce voile qu'Allah Azzawajal met sur toi part un jour. Et à ce moment-là, tu seras dévoilé à tout le monde. Et parmi le fait de ne pas remercier ce bienfait, et c'est la chose le remerciement le plus important du bienfait, c'est quoi? C'est de rester dans l'obéissance d'Allah Azzawajal. De dire, Ya Allah, tu m'as donné ce bienfait, comment je te remercie? En t'adorant. En restant dans l'obéissance. Par contre, la chose la plus pire dans le fait de renier n'importe quel bienfait, c'est d'utiliser les bienfaits d'Allah Azzawajal dans quoi? Dans le ma'asiyah, dans les désobéissances. À ce moment-là, la personne qui utilise les bienfaits d'Allah Azzawajal, comme la vue, comme l'ouïe, comme la bonne santé, comme le temps libre, comme l'argent, comme tout ça, dans la désobéissance, c'est la pire des façons de remercier Allah Azzawajal par cela. Donc si toi tu continues à faire ton péché, pourquoi? Ittikalan ala sitrillah. Parce que tu t'appuies sur quoi? Sur le fait qu'Allah te cache tes péchés. فتدخل حينئذ فيما يسمى بالأمن من مكر الله. Là tu vas rentrer dans ce qu'on appelle, et c'est un grand péché que le prophète sallam a cité dans les hadiths et même qui est cité dans le Coran. C'est le fait de se sentir en sécurité, al-amn min makr Allah, le fait de se sentir en sécurité de la ruse d'Allah azza wa jalla. Naam. فالله تبارك وتعالى قال الله عز وجل في القرآن فلا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون. Ceux qui se sentent en sécurité de la ruse d'Allah Azzawajal, ce ne sont que les perdants. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala yabtalik. Allah il t'éprouve. Fayursil alayka l'imtihanat wal balaya fi d-din wa d-dunya. Il t'envoie des épreuves dans ta religion et dans ta vie présente et dans ta vie mondaine. Wa a'zamul balaya hiya balaya d-din. Les pires des épreuves, c'est des épreuves qui ont rapport avec ta religion. Les choses de d-dunya sahl. Amma alladhi ibtuliya fi dinihi wa ibtuliya bi dhanbin. Celui par contre qui est éprouvé dans sa religion, qui est éprouvé dans des péchés ou des choses comme ça, lui son épreuve elle est très grande. Lui on se doit d'avoir de la peine pour lui et d'être triste. Celui qui est éprouvé dans sa vie, qui est éprouvé dans une maladie, qui est éprouvé dans ses enfants, dans son argent, ça c'est des choses qui est arrivé au prophète, l'âme qui est arrivé au pieux. Par contre, celui qui est prouvé dans sa religion, c'est beaucoup plus difficile. Parce que lui, il est dans un danger, dans sa religion et donc dans son au-delà, pas simplement dans ce bas monde. Si Allah Azzawajal t'éprouve dans ce genre de choses, sache, Allah Azzawajal yanzuru ila amalik, wa yanzuru ila ma taf'al. Il voit ce que tu fais. Il voit si ton repentir est sincère. Il voit. Est-ce que tu la détestes vraiment ce péché? Est-ce que tu veux vraiment t'en détourner? Il t'éprouve à chaque fois et te donne une chance de te repentir. Mais il faut bien comprendre une chose et savoir, c'est qu'Allah Azza wa Jal, il laisse, il retarde, mais il n'oublie pas. Il laisse et il retarde. Mais il ne te laissera pas tout le temps continuer dans l'ijram, dans les crimes et dans les péchés. Là, inna min sunnatillahi azza wa jal annahu yuakhir ila ajalin musamma. Il laisse. Même des gens qui font des péchés, il les laisse. Hatta yatubu. Afin qu'ils se repentent. Walakin, in istamarra al-abdu ala al-isyan, fara'a Allahu minhu istighfafan bid-dhanb aw qillata mubalat. بهذه المعاصي أو رأى منه إعراضا منه أو رأى ما رأى وهو الحاكم جل جلاله فيوما من الأيام ستفتضح وستأتيك وسيأتيك العذاب في الدنيا قبل الآخرة. Un jour ou l'autre, si tu continues et tu te permets de faire ces choses parce qu'Allah te cache, un jour ou l'autre tu seras dévoilé. Un jour ou l'autre tu seras dévoilé si Allah Azza wa Jalla, c'est lui le juge. Si Allah subhanahu wa ta'ala voit de toi que tu te détournes de lui, vois de toi que tu n'as pas une réelle sincérité de délaisser ce péché. Vois de toi, en fait, que tu n'as pas de réelle importance de ce que tu es en train de faire et de ta religion dans ton cœur. Un jour, Allah Azza wa Jal dévoilera ton péché. Mata, Allahu A'lam. Naam. Mais en tout cas, ce qu'il ne faut pas,
c'est se sentir en sécurité. هذا ما سماه الله عز وجل في كتابه بما يسمى بالاستدراج. الاستدراج, الله il l'a cité dans le Coran, c'est ça. الاستدراج هو من مكر الله, ça fait partie de la ruse d'Allah. Attention, quand on parle de la ruse d'Allah, Allah عز وجل, même s'il a cité que quelquefois Allah rusait, ce n'est pas de manière mutlaqa. Ce n'est pas comme ça, on peut dire qu'Allah il ruse. Non, il ruse avec ceux qui rusent contre lui. Il ruse contre ceux qui sont mauvais et qui utilisent na'am, les péchés et qui vont ruser aussi de leur sort. Allah Azza wa Jalla va ruser avec eux. Et comment? Bil istidraj. Ashabul ma'asi, ceux qui font des péchés et qui n'arrêtent pas de faire ces péchés. Car comme a dit Allah Azza wa Jalla, sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. Hum la ya'lamun. Eux, ils sont cachés par le cache d'Allah, par le voile. Fahou la ya'lamun. Se dit, alhamdoulilah, tant que je suis caché, je suis bien. Walakin Allah yastadrijuhum min haythu la ya'lamun. Mais Allah, en réalité, Allah Azza wa Jalla, il est en train de lui faire passer des étapes et des phases alors que lui, il ne sait pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui laisse des années, des mois. Il continue à faire ce péché. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Pendant ce temps, les péchés, ils s'accumulent. Et quand les péchés, ils s'accumulent, c'est pas simplement dans le livre des actions. Là, à l'al-qalb, ça s'accumule sur le cœur. Fanuktatun sauda, thumma nuktatun sauda, wa kada, wa sawad ala sawad. ظلمات على ظلمات حتى يعلو على هذا القلب الران قال الله كلا بل ران على قلوبهم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. La personne va faire un péché, ensuite un autre, ensuite un troisième, et à chaque fois qu'il fait un péché, c'est une tache noire sur son cœur. Lui, il ne s'en rend pas compte. من حيث لا يعلمون. Il ne s'en rend pas compte. نعم. S'il ne fait pas un repentir sincère ou une demande de pardon sincère, il ne s'en rend pas compte, il fait un péché, mais en réalité, ce péché, il a un impact sur son cœur. Lui, il ne sait pas. Ensuite, un deuxième péché, une nouvelle tache noire. Troisième péché, et comme ça, jusqu'à que noirceur sur noirceur, ténèbres sur ténèbres, son cœur devient quoi? Obscur. Et il lui arrive quoi? Il lui arrive ce qu'on appelle arran, c'est-à-dire al-taba. C'est-à-dire qu'à un certain moment, lorsque l'a péché, وَعِنْدَ اللَّهِ هَذَا الْحَدْ كما قال الحسن البصري عند الله حد من المعاصي إذا بلغه العبد tubi'a ala qalbi. Hassan al-Basri, il dit, auprès d'Allah, il n'y a que Allah qui le sait, pour chaque serviteur, il y a une limite de péché. Si le serviteur l'atteint, son cœur se scelle, devient scellé, al-taba, al-ran. Et lorsque le cœur se scelle, fahina idhin la ya'arifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran wa la yastati'u an yatadhakkar wa la an yatta'idh wa la tanfa'uhu dhikra wa la al-mawa'idh. À ce moment-là, plus rien ne lui sera utile de bien. Il ne verra plus le bien, ni verra plus le mal. Les rappels et les exhortations ne seront plus utiles pour lui. Pourquoi? Son cœur, il a été scellé. فَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ الْعَبْدُ إِلَى هَذَا الْحَدِّ. Avant que le serviteur arrive à ce degré-là, عَلَيْهِ أَنْ يَتَذَكَّرْ أَنَّ نِعْمَةَ اللَّهِ تُشْكَرْ قَبْلَ أَنْ تُسْلَبْ. Le bienfait d'Allah Azzawajal doit être remercié comme il faut avant qu'il parte. Avant qu'il parte, Allah subhanahu wa ta'ala, قد يستدرج بعض العباد. Allah subhanahu wa ta'ala, na'am, peut agir de la sorte avec certains serviteurs. Ceux qui ne sont pas sincères dans leur repentir, ceux qui continuent dans leur péché, Allah il les voit. Na'am, Allah il les cache. Na'am, pour l'instant, leur cœur, ils ont encore un peu de lumière. Leur cœur a encore un peu de lumière. Mais jusqu'à quand? Ila mata. Jusqu'à quand tu ne vas pas te rappeler d'Allah? Jusqu'à quand tu vas continuer dans la désobéissance et dans l'ijram? Il a matin. Allahu ya'lamu ma anta fa'il. Et il te laisse combien d'occasions? Combien Allah Azza wa Jalla nous laisse d'occasions de nous repentir? Billahi alaykum. Kam min marra. Fa'idhan, ala kulli ahadin minna an yatadabbar hadhihi al-ma'ani. Que chacun d'entre nous essaye de réfléchir sur tout cela. Réfléchir de ce bienfait. Et réfléchir sur la gravité et la dangerosité du fait d'utiliser le bienfait d'Allah pour lui désobéir. Et du fait de se sentir en sécurité de la ruse d'Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله العلي العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يعفو عنا ونسأله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يبصرنا وأن يبصر قلوبنا وأن يجعلنا نعرف المعروف وننكر المنكر.
يا سميع الدعاء، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن تثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم ثبت قلوبنا على صراطك المستقيم. اللهم احفظنا من مكائد الشيطان، واحفظ آباءنا وأمهاتنا وبناتنا وأبناءنا وجميع المسلمين من مكائد الشيطان يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.